du mensuel Afrique Magazine qui titre en une sur le phénomène Fally Ipupa, le chanteur congolais planétaire, comme vous le désignez. Exactement. C'est une des figures de la rumba rock qui est devenue une vedette mondiale. Il est une superstar, chanteur, réuni sur un triple album intitulé Control. Fally Ipupa, bonsoir. Bonsoir. C'est la star incontestée de la musique africaine. On le surnomme Mopao, Quadra, le roi de la rumba congolaise. Il est une des vedettes de la musique congolaise et africaine. Son groupe, Wenge Musica Maison Mère, est quasiment une école de formation pour les jeunes musiciens. Après son dernier album, il prépare le Zénith de Paris. Werrason est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue dans votre... Il est une voix de la rumba congolaise et dorénavant de ce qu'on appelle la rumba trap. Ancien de Wenge Musica, il a conclu depuis 16 ans une brillante carrière solo. Ce soir, il est notre invité. Ferregola, bonsoir. Il est un des grands noms de la musique en RDC. Après 10 ans d'absence, il revient avec un nouvel opus très attendu, Balle de match, un album avec de très jolies rumbas congolaises. Dans un instant, nous serons avec le chanteur J.B. Mpiana. Bah, par exemple, on a fallu, ça c'est un exemple. Au gros, on a fallu à Imbalo à Ferre. Par exemple, pour monter à Ferre, on a fallu à Salangote. Et quoi, comme il a eu pour conseiller. Chacun na voix na ye, na discipline na ye, na vision na ye, après se rendre oh ya lingi kozala na 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 oh ya lingi. C'est qui lui? Pigeon Kabasele Gori. Pigeon qui? Kabasele Gori. On passe. D'accord. Alors dis-moi, toi t'es de quelle origine? Cap-verdienne portugaise. Alors comment ça se fait tu connais les artistes ici? Je suis congolaise de cœur. De cœur t'es congolaise? Oui. Alors quel est ton artiste préféré des Congo? Fally. Fally? Fally. Alors, quelle est la chanson de Fally que toi tu as déjà écouté ou bien tu te rappelles? Huitième merveille. Et puis, bazo comme un guide, il était pour mouton l'andaté. Parce que mouton, bazo, c'est la pomme comme un guide. Et ça fait rigoler, on te fait rigoler. Attaque tchapamba, mouton en latit, au gros latin. Attache chemise au yassomi, même couleur. Salé la bêti, gros bêta, on te pousse. Salé la bêti, gros bêta, on te pousse. Salé la bêti, gros bêta, on te pousse. Béti, Robert, on te pose un grand, grand chanteur. Bah ça les aide belles, au fer en au pied à date naie, au tourbillé, Jeux Olympiques. Au bah bah il y a un slogan tchad date. Tant que bah côté la bango date était na ferry, bah on s'en ira bah guide sans suivi. Au second moment, au salin de la bah balégui na bango c'est que bota matite. Au salin de la pour me buter l'équité et bota matite. Ne dis pas confus bah ça la bah nzela. Suivez les guides. Pour que faire boire à suivre les guides, ils allaient reconnaître Olympia, à quel Zénith, à quel Bercy. Et comment ils montent tout? Olympia, Zénith, Bercy. De Rosala, pour Anzela, et ça est belé. Donc, guide, oh, il a vu ça la guide, il y a du lourd, on a l'ambari et mort. Donc, voilà. Je pense que souci n'a pas rompé quelque part, et ça que. C'est créer les guides, c'est-à-dire que on a ça la guide, y a on va aller au landanga, on a ça la guide, y a on va aller au landanga. N'engue confier ça là ça, bah ouenge, bah tu mets sur l'andi, ben fallait, bah on peut aller au landanga. Mais c'est quoi qui guide et aussi matin. Quelle est la place que fallait pour occuper aujourd'hui la musique congolaise? Bon, moi je pense dans chaque génération il y a un guide. Je pense qu'aujourd'hui la place des Fally pour avec cette génération il est number one. Il est number one, accompagné de tout le monde. Mmh. Même réaction, même question. Pour la place de Fally, on l'a toujours dit. Actuellement, on a ma statistique sur Aza numéro 1. Mmh.
J'aime le courage de Wazekon, mais je pense que les vieux ils débordent. Pourquoi? Musique obi soto linga. Yando. Yarumba. Yarumba tout consort. La format populaire. Oh, pina ils ont la rapina qui est format populaire. C'est cette stratégie. On ne doit pas nier. Fali m'tombe d'accord. Na format concert à mon néné qui yando molo néné to linga à l'époque. C'est Fali qui l'a fait. Mais ce n'est pas un trophée, ce n'est rien, c'est juste accepter. Oui, Azong si musique. Azong si musique, ça veut dire à débloquer l'or au moins on a avec les combattants. C'est encourager, c'est applaudir. Non, Fali Pouba est très puissant. N'habitez sur vos obus, vous avez une Bercy. Donc Fali a très puissant. Celui qui est léger, en tout cas, vous sous-estimez, est très très puissant. Donc autant de sa stade, ils ont un mot. Zoba, éternellement Zoba. Kata Zoba, y'a la peau. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique et salut à tous mes abonnés. Un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Moi je suis votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, mais c'est pièce contre pièce. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets. Alors, je vais vous demander d'abord à liker, à s'abonner et activer la cloche de notification et aussi de partager cette émission dans vos pages respectives sur Facebook, sur WhatsApp, Naba Group Namino tout sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faisait tout ce que vous voulez, couper des séquences, partager, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Mesdames et messieurs, le master de la presse, quand il sort encore, c'est pour recadrer beaucoup de choses. L'émission d'aujourd'hui, nous allons vraiment parler, nous allons dire des vérités. Car la musique congolaise, il y a vraiment l'hypocrisie. On a eu la chance qu'aujourd'hui, il y a des journalistes d'investigation très intelligents, indépendants, qui sont là pour recadrer les choses. Parce que si nous, par exemple, quand je parle nous, je vois nos confrères comme Vincent Tulizi, des personnes comme Alexis Wetchi, que je respecte. Des gens comme Mbaya.
Des personnes au Pena Bayaki na presse, on a ramené quelque chose. On a ramené la touche nouvelle. On a ramené des vérités avec des pièces contre pièces. Moi, je martèle toujours sur pièces contre pièces. Parce que le mensonge gangrenait la musique congolaise. Aujourd'hui, le master a décidé de ne plus laisser le mensonge triompher. C'est pour cela que je suis ici. Mais, cette émission, nous allons aussi dédier à une autre personne. Mais aussi, le master doit défendre un peuple, son pays. Il y aura un moment que je vais vous annoncer. Il y aura un journaliste qui va me remplacer dans cette émission pièce contre pièce. Et moi, je vais m'envoler pour sauver aussi mon peuple, parler de mon peuple, défendre mon peuple. Donc, la politique. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Je suis encore là, même jusqu'en 2025. On va voir jusqu'au Stade de France comment est-ce que Dieu va nous prêter la vie, comment est-ce que Dieu va nous protéger. Quand j'ai regardé la séquence de France 24, en train d'appeler Fally, le phénomène Fally Ipupa, j'ai été choqué, mesdames et messieurs. J'ai été tellement touché, choqué, que j'ai dit, oh non, je ne peux pas laisser cette chose passer comme ça. Quand on regarde encore des vidéos sur Facebook, hein, parfois je suis sur Facebook, ma vidéo est Bimelaranga, je vois maintenant encore ce même monsieur, la personne là, jaloux, aigri, Sango qui a eu des problèmes avec Maria Toumba, a invité Saï Saï dans son plateau en cherchant à insulter, dénigrer Fally Ipupa indirectement. C'est pour cela que je vous avais dit, cette émission-là, ça s'intitule Bon, solo n'a fallu pour pas le coûter na politique. Il a eu plus de 30-40 minutes à parler que de Fally Ipupa en négativité. Mais moi, j'ai une séquence de 9 minutes. Cette séquence-là, nous allons balancer ça ici. Mais quand c'était pour venir dire des choses que Fally a fait chez Emmanuel Macron, il n'y avait personne. Quand c'était pour venir saluer le travail de l'enfant du pays qui nous a représentés au niveau de la francophonie en France, à Paris, il n'y avait personne. Quand c'était pour parler de bienfaits, des choses que Fally Ipupa est en train de faire, des disques d'or, des disques de platine, des remplis de grandes salles, des albums carton, des disques d'or pour un album rumba, toutes ces choses-là, il n'y a personne qui en parle. On voit un Sango, un infirmier, venir dénigrer un artiste comme Fally Ipupa. C'est vraiment honteux. C'est pour ça que je vous avais dit, j'ai honte à voir un type comme Israël Mutombo. J'ai honte à voir Israël Mutombo comme un compatriote de mon pays. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte à lui avoir comme compatriote dans mon pays. J'ai vraiment honte. Nous allons commencer par des bonnes choses. Prenons Fally Ipupa sur France 24, comment on parle du phénomène Fally Ipupa. Et puis nous allons revenir, je vais parler beaucoup de choses à ce qui concerne ce sujet. Prenons la vidéo maintenant. Aujourd'hui, mensuel Afrique Magazine qui titre en une sur le phénomène Fally Ipupa, le chanteur congolais planétaire, comme vous le désignez. Exactement, c'est une des figures de la rumba rock qui est devenue une vedette mondiale. Et on le voit, c'est millions, des dizaines de millions de vues sur YouTube, hein, chacun de ces clips. Et pour vous donner la réplique, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, mensuel Afrique Magazine qui titre en une sur le phénomène Fally Ipupa, le chanteur congolais planétaire, comme vous le désignez. Exactement. C'est une des figures de la rumba rock qui est devenue une vedette mondiale. Et on le voit, c'est millions, des dizaines de millions de vues sur YouTube, hein, chacun de ces clips. Et pour vous donner la réplique, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, mensuel Afrique Magazine qui titre en une sur le phénomène Fally Ipupa, le chanteur congolais planétaire, comme vous le désignez. Exactement. C'est une figure de la rumba rock qui est devenue une vedette mondiale. Et on le voit, c'est millions, des dizaines de millions de vues sur YouTube, hein, chacun de ces clips. Et pour vous donner la réplique, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Mesdames et messieurs, j'ai été choqué par ces séquences. On est en train de parler de Fally Ipupa, un artiste planétaire, un artiste mondialement connu,
dans ce plateau-là, il n'y a pas quelqu'un qu'il fallait envoyer là-bas. Il n'y a personne qu'il fallait corrompu. Fali n'a envoyé personne d'aller parler à son nom sur France 24, mesdames et messieurs. Les choses que Fali Poupa fait pour la musique, on lui appelle chanteur congolais. Le nom de Fali Poupa va de pair avec la République démocratique du Congo. Aussitôt, aussi, tellement, la manière dont Fali Poupa est en train de monter, c'est la manière dont aussi le nom de la République démocratique du Congo est en train de monter. Mesdames et messieurs, ce qui arrive dans la musique congolaise n'a jamais existé. Ça n'a jamais arrivé pour un artiste et musicien congolais. Ça n'a jamais arrivé pour la star, mon koto footballeur, mon koto et mon tout mon koto congolais. Ça n'a jamais arrivé. Moi, là où je suis en Serbie, en Belgrade. Il y a un type qu'on appelle Novak Djokovic. Novak Djokovic, c'est le meilleur tennisman de tous les temps à l'équipe à Rafael Nadal, à l'équipe à Roger Federer. Il a plus de trophées. Il y a un tagané qui coûte dans souk à la Jeux Olympiques médaille d'or. Est-ce que vous savez comment dans ce pays-ci, les gens respectent Novak Djokovic? Les gens disent quoi? C'est une affaire d'une nation. C'est l'enfant du pays qui fait la fierté de notre pays. Il vend notre pays au niveau international. Novak Djokovic est respecté dans ce pays. Le président de la République lui a décoré, pas seulement ce président actuel, et des présidents passés. On reconnaît son apport envers l'image de la République de la Serbie, envers l'image de ce pays. On est le seul peuple dans la vie. On est le seul peuple où on détruit nos héros, où on insulte nos héros. On est le seul peuple où on ne reconnaît pas nos héros. On est tellement bête, tellement stupide que ce pays doit disparaître. On n'a jamais mérité un Fali Poupa, je vous l'ai dit. Le Congo n'a jamais mérité un Fali Poupa. Et puis le Congo n'a jamais été prêt d'avoir un phénomène comme Fali Poupa. Le Congo n'a jamais été prêt à un phénomène comme Fali Poupa. Dieu nous a vraiment surpris à ce qui concerne l'artiste. Dieu nous a surpris. Tellement qu'on n'était pas prêt. Tout ce que Fali Poupa est en train de faire, ça devient un peu comme un extraterrestre, dit mon vieux Djoka Kabengele. Personne ne s'attendait un jour, si on posait la question à 10 ans passés, même 15 ans passés, est-ce que musique Rozon à la poteau, est-ce qu'un jour on peut voir Ferrego la faire Adidas Arena, Héritier la scène, Fabregas Casino de Paris et les autres? Les gens ne disent jamais, mais c'est à cause d'un seul phénomène, Fali Poupa. Il a déjoué, il a débloqué tout ça. Si on posait la question, est-ce que la musique Rumba allait être un jour certifiée, ou bien la musique congolaise certifiée par le Snap, un vrai disque d'or et des singles d'or et des singles de platine? Les gens ne le disent jamais, bah, Congolais, bah, t'es carana potote, et nan, yébi Congolais, ok, somba musique à Congolais, n'est-ce pas? On a eu droit à un phénomène pour débloquer ces systèmes-là. Si un jour on disait, ah, l'album Rumba peut aussi obtenir un disque d'or en international certifié, les gens ne le disent jamais. Ah non, ils sont ma musique à Lingala. Il y a eu même un moment là, on disait qu'on a ma musique à Nigérien, les qui a mis ça. Non, ils sont ma musique à Congolais. On a eu droit à un phénomène, Fali Poupa, pour déjouer, débloquer. Aujourd'hui, les gens commencent à respecter la rumba. Dans nos clubs, on joue la rumba. Mais je parle bien de la rumba de Fali Poupa. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit sur France 24, Fali Poupa, c'est un phénomène. Fali n'a jamais. Fali Poupa s'est jamais surnommé lui-même. On lui a appelé la légende par soprano. On lui a appelé la légende au festival. Les Flamme Awards. On lui a appelé la légende par des grandes stars de ce monde. On lui respecte par-ci, par-là. Fali s'est jamais appelé la légende. Babé Nakae. Fali s'est jamais appelé phénomène.
Mais on a vu des musiciens congolais, et même se surnommer des légendes, et même se surnommer des phénomènes, et même se surnommer tout ce qu'ils ont eu. Et Fally, ce n'est pas de n'importe qui. Savez-vous, les journalistes sur France 24 sont tellement éduqués. Si ça va classe, ils ont fini de master, ils ont fini des ils ont des diplômes. Si un journaliste qui a ce diplôme-là prend son temps pour appeler Fally pour passer un phénomène, mais mesdames et messieurs, mesdames, allez-y comprendre. C'est incroyable. J'ai la peine de voir des Congolais, des compatriotes en train d'insulter Fally. Olinga Fally, ma conscience na yo e yebi grâce à Fally pour parler lo musique à Congo vivre. Batwa ton abanda kuna grâce à Fally pour pas. Batwa sa ba carrière grâce à Fally pour pas. Batwa sa la makambu bango fa ba pesa la Fally pour pas dim. Chaque fin à mois to chaque fin événement na ya pesa Fally 10% to 20% o ya sali. C'est grâce à Fally pour parler lo ba musique à Congo ba na fierté o cha ba date na poto. Peu babé, tu vas inquiéter, bah on te combatta pas bimité, bah tumbi pelo remonté. En 2020, Fally bah tumba Gare du Nord. Faire rigoler la ligne à Katia Boulanguette, na en à Katia Beauvent. Tumba Gare du Nord, Fabregas na mte soit à Kawapi. Tumba Gare du Nord, héritier zota la zolenga. Ota la même mouton à Moutandeng, Fally a défié, a déjoué tout ça. Il a presté quand même. À l'époque, batwana tu bande kolenga ba combattant boe. On a eu droit à un phénomène dans notre pays, mais on n'était pas préparé. On n'était pas préparé à avoir un phénomène, un vrai phénomène. On n'était pas préparé à avoir un Fally Ipupa dans notre pays. Oui, on n'était pas préparé. Ça fait mal, hein. Malgré tout ce que l'artiste fait, on voit des connards, on voit des cafards venir lui insulter. Dans vos réseaux sociaux, là, on va prendre une vidéo d'une capverdienne en train de reconnaître des artistes. Il a surpris des Fally Ipupa, un couplet gabonais. Et puis on va aller à d'autres sujets de cette émission. Je vais recadrer encore ça en prenant la vidéo maintenant. C'est qui lui? Pigeon cabassé les gorilles. Pigeon qui? Cabassé les gorilles. On passe. Mon vieux Kofi, je kiffe trop sa musique. Tu kiffes trop sa musique? Trop. D'accord. Alors lui? Je lui connais pas. C'est petit Kofi. C'est petit Kofi. Petit Kofi. D'accord. Alors dis-moi, toi t'es de quelle origine? Capverdienne portugaise. Alors comment ça se fait tu connais les artistes ici? Je suis congolaise de cœur. De cœur t'es congolaise? Oui. Alors quel est ton artiste préféré des Congo? Fally. Fally? Fally. Alors quelle est la chanson des Fally que toi tu as déjà écouté ou bien tu te rappelles? Huitième merveille. Huitième merveille? Ouais. Est-ce que tu connais chanter un peu ou bien des paroles? C'est que... Ouais, comment on chante ça? Huitième merveille. Ouais. Va diminuer à cause des droits d'auteur. Quand tu s'abîmes ça? Quand tu s'abîmes ça? Ça signifie quoi quand tu s'abîmes ça? Ah, je sais plus. Alors quoi d'autre? Mais que Nicola là, ça veut dire va dormir. Que Nicola là va dormir? Oui. Après, quoi d'autre? Mbeli. Mbeli. C'est un couteau. Alors regarde la caméra, laisse un message à tous les Congolais qui vont regarder cette vidéo. C'est parti. Je vous aime les Congolais, franchement. À jamais dans mon cœur, mais je me considère congolaise. Tu te considères quoi? Congolaise. Encore une fois. Surprise avec la côte liban. If you need mon pote. Voilà, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le sujet de l'Okutana politique, j'aimerais bien d'abord commencer à vous rappeler la tournée mondiale de l'artiste musicien Fally Ipupa,
Fally Ipupa va prester dans plusieurs pays. Les dates vont sortir quelque part là-bas. Fally sera au Canada. Fally sera aux États-Unis avec plusieurs dates. Après ça, Fally Ipupa va s'envoler pour la France. Fally a trois prestations en France. D'abord, on va commencer avec deux prestations, Marseille et Lille, là où je vais aussi participer. Et puis Rotterdam, Fally Ipupa a une date. Et puis, on va reprendre encore la France avec la ville de Nantes. Après, Fally va aller pour Düsseldorf et Berlin. J'ai besoin des donateurs parce que j'ai déjà confirmé trois concerts, trois prestations de Fally où je vais être. Ça, c'est Marseille, Lille et Rotterdam. Ce qui est déjà confirmé, c'est ça. Je vais d'abord saluer des personnes qui m'ont soutenu dans plusieurs choses dans cette chaîne et aussi des tournées des LDLC Arena, Arke Arena. Je vais commencer par un monsieur qu'on appelle l'architecte Guy Mumbata, le grand architecte congolais depuis la ville de Charleroi. Je vais saluer maman Cécile Mbeya, ma maman, depuis la ville de Yaoui, en Belgique. Charleroi aussi, c'est en Belgique. Je vais saluer les boss tranquilles, Johnny Maka, depuis la Norvège, et les boss tranquilles, Johnny Maka. Je vais saluer Marcolino d'Aroma, le cœur de Clarisse Lupengi, Marcolino d'Aroma, mon thème à Clarisse Lupengi, depuis l'Angleterre. Maman Louboutin, maman Mokoya Swag, na Pessiombote, depuis l'Angleterre aussi. Et puis je vais aussi saluer maman Cécile Mbeya. Dernière personne qui m'a voilà, Azwara, ma banga mi balé. Donc je vais saluer maman Yeti, je vais saluer maman Angelina depuis la Suisse, et puis maman Lily depuis le Gabon. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. C'est lui qui veut encore soutenir, contribuer pour que vous avez un bateau. Le numéro va défiler ici. Comme ça, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Et puis, si vous avez votre soutien, vous envoyez. Ça va me faire du bien. Et puis, ceux qui n'ont pas assez de moyens, vous avez aussi sur YouTube ici à contribuer. Là où c'est écrit, ça fait des signes là de dollars. On a écrit merci. Vous pouvez me remercier par 1 euro, 2 euros, 3 euros. Combien est-ce que vous avez à contribuer? Ça fera du bien. Maintenant, nous allons revenir à notre mouton. Prenons la vidéo maintenant. Bosolo n'a fallu pour parler au coup la politique aigri sango. Prenons la vidéo maintenant. Écoutons ce qu'il va dire, puis je lui recadre vite fait. Prenons la vidéo maintenant. La fali, ça c'est un exemple. Au gros, on va prendre la fali à une balouette à faire. Par exemple, pour monter à faire, on a fali à ça là. Et quoi, comme là, on peut conseiller, faire, on conseille, peut fali à côté, si doit y maman casse le roi à faire. Et quoi, comme là, on peut pas motiver, on t'a fait défi à bon et pas là-bas. Mais erreur, bah ça, l'issa faire dans le quartier latin. Quand vous voyez, c'est elle qui a fali. Jamais, ça est indé dans un bois. Sauf que vous avez ça, c'est un bien. Tu n'as pas de coup, tu n'as pas de coup, tu obi dans la vie, si vous me checkez, vous savez que vous avez un c'est que dans la vie, vous avez un moto, vous avez un moto. Ça, c'est vrai. Vous savez que vous avez un moto, vous avez un faut que la moto à la salle à Hollande. To oluka o ya sala ki okoka ko sala. Faire à sa navona e. Ko yemba lo kwa faire te ndelingela sake. Oza musicien ya monene to ko yemba lo kwa fali ndelingela sake nde oza meilleur. Non. Chacun navona e, na discipline na e, na vision na e. Après zo rende o ya ling ko sala na o ya ling. Ça dit donner tout le bagage na re. Ça dit que ko scope sa ko yemba sa fali ko yemba. So to chelo kwa na bare na muto Hollande na muto azate. Ko na muto beta e. Au moins, il y a salé le mongo à salé tout à dévier arena parce que bien que déjà bien qu'on est arena, mais au moins, il y a diversé au bateau balouka ya fara fara et comme on appelle la discipline n'a pas son du moussous que le roi mouni n'a salé à l'eau n'a évité caca papa et à bilan mouche et à ce qui est ennemi n'a salé à mon taliboso il faut aller à bien. Je suis curieux. Tout le monde a eu même période à Jibé Nawira. Les langues sont à Sony. Je suis à Bissou Zaraki, Jibé Abet Olympia, ou à Bimissi Zenit. Et Richard Michel sur la scène. Est-ce que vous avez comparé à mon colonel ou à mon colonel? Je suis à l'aise, je suis à l'aise, mais n'empêche que, et ça va à la montée, n'empêche que, Féripé Abeta, arena era mutu tele
Mais si quoi, yo banda vous la analyse, attends l'émission, attends l'anda, quand on liak. Na deux personnes, là, bah, bimisaka, mon ko faux chanteur. Moussou sou grand chanteur. Ce rota, lui, n'a pas besoin de l'ombo, ça qui l'ombo. Rochero. L'ombo, taboulé. Yo n'a pas de poussa. Mais ce rota, lui, si quoi, n'a pas fortune. Parce que moussa, l'autre, ça, la poète, c'est son fortune. Donc, veut dire ce que la moussa là au récit, beaucoup là-bas là, c'est que donc veut dire ce que c'est d'aller bon. Donc, au moins, okay, bateau pour bien dans la canne, dans bateau pour bien dans la faux, c'est comme si la fondée bah, dans la fortune, comme la bagarre, je suis banal, y a-t-il là, on peut s'en raison. Mais ça, la groupe, son papa, un grand chanteur, ce n'était pas un faux. Papa, un babou, n'abîme d'être un faux, mais papa, un babou, n'a guère pas un an. Il y a eu plusieurs guerres. Plus ça va dans son Belamba, à cause de 20 000 $, oh, mon tour, mon folie, mon tour, ça cause un terrain à Yolo à l'époque. Mais je n'entre pas dans l'histoire, j'ai déjà été témoin. Ce qui est vrai pour la COVID, par exemple, la guerre récemment à Poto, ils ont eu concert à. Je pense concert à Ferry. Ils ont mis sur 100 invités à 100 motos à ça ici. Ils ont 4 800 euros. La concurrence, par exemple, est affaire et n'a fallu. Quelle folie, vous êtes malade. Dans le sens que, bah, tu vas au kitissa, bah, tu tires à l'essentiel.
Et émission sans moi invité tous en position. Voilà. C'est quoi ma position? Toi yebi. Mais Loba. Ah! Mais Loba. Alors dire Loba. Mais Loba. Il y a affaire, c'est ce que tu as dit. Ouais. Je pense que ma goulot va jouer au caillou. Ma fan n'a rien sur le caillou. Je vais voir la différence. Parce que dans la salle, il y a des musiciens. Ils ont là qui attendent au salon 15-40 musiciens. Aucun souci. Mais les gens, il n'y a pas un musicien. Moi, quand je suis allé, quand on s'est opposé au problème. Il y a un problème dans le discours. Ou soit. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, c'était une petite. Parti oyo babande ki kolobe la fali poupa na bosolo na fali poupa. D'abord, en matière déontologie journalistique, ce monsieur Sango n'a pas de déontologie journalistique. La déontologie journalistique, c'est quoi? Le respect de son invité. Dans la déontologie journalistique, il y a aussi ce qu'on appelle le respect de son invité. Qu'est-ce qui est un invité? Dans la déontologie journalistique, quand on invite quelqu'un dans son plateau, on laisse la personne parler. Le journaliste est juste là pour poser des questions. Ce n'était pas le cas entre Sango et Saïsaï. J'ai l'impression que Saïsaï était journaliste et Sango était invité. Parce que Sango posait des questions, quand on lui répondait par Saïsaï, il répondait aussi dans ces mêmes questions. Voire même, Sango partait même au débat avec Saïsaï. Est-ce que tu es journaliste? Est-ce que tu es chroniqueur? Est-ce que tu es porte-parole? Mais il faut se choisir, Sango. D'abord, ce monsieur, je vous ai démontré en plusieurs reprises que ce monsieur n'a jamais eu de déontologie journalistique. La comparaison que ce monsieur veut faire entre Fally et Ferré, c'est vraiment comme si vous êtes en train de comparer Djibouti et les États-Unis. Comme si vous êtes en train de comparer Malawi et les États-Unis. C'est les hauts et les bas. Il n'y a jamais eu comparaison entre Ferré et Fally. Parce que ce n'est pas le même game, ce n'est pas le même niveau. Fally, c'est un faiseur. Fally, c'est un débloqueur. Fally, c'est un phénomène. Ferré, c'est un suiveur, c'est un fainéant, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire. C'est ça la différence d'abord. Depuis 2013 jusqu'à nos jours, citez-moi trois chansons à faire ego là au boye bébé tapi bokanga banze mwana moto. Trois chansons, il y a pas. Il y a pas. Fallait aller l'album Power Kosaleka. D'où on a trouvé des chansons comme Double Clic. Des chansons comme Brice, des chansons comme Ndoki, des chansons comme Amour Assassin, des chansons comme Nourrissant.
album mobile, mais chanson comme Sweet Life, ma chanson comme Terminator, ma chanson comme Anissa, album mobile ya Fally et Beta na 2013, sans promotion, Fally a bébé na David Monceau à l'époque. Après ça, Fally a sorti le single original. Tout le monde a n'a Beta na 2014. Na 2017, Fally a un album Tokos. Carton, disque d'or, disque de platine, un single de platine et un single d'or. Deux singles d'or, un single de platine et un disque d'or pour l'album certifié en France. Fally nous ramène l'album Contrôle, Frappe na Frappe. Fally nous ramène l'album Tokos de Frappe na Frappe, deux singles d'or certifié en international. Amore et Licolo. Fally nous ramène Formule 7, l'album Rouma, le tout premier album Rouma à être certifié disque d'or. Et aujourd'hui, Tozolo Bela Formule 7, Tozolo Beta Kakaseko Beta. Fally nous sort une chanson à part qu'on appelle Nzoto. Et Bete Kartona. Fally Nanzembo San, et Bete Kartona. Remix ya tokos de ebete kartona. Fally a elibiso na suka a 207. Binomo bongo na mamboe sala. Ça c'est ce que Tsango disait matière artistique. Ça c'est artistique musicalement parlant que je viens de vous démontrer. Pendant tout ce temps là, 2013 ti lelo, boe sanga 3e boya fere. Non, bibia, 3e boya fere ebeta. 3 ya pamba, 3. Parce que sango le bitolo bamambo artistique, musique, musicalement parlant sango. Yebi sanga 3e boya fere yebi depuis 2013. Non, bibia depuis 2013. Ti lelo. Ça fait combien? Depuis 2013 ti lelo, il y a combien d'années? Allez-y comprendre. Ti lelo 3e boya. Ça c'est côté artistique, côté musique. Donc côté prestation, depuis 2013 ti lelo faire abeta wapi? Abeta basal nin, na Afrique, abeti wap, na Afrique ke Guinée, invitation ba président et contacté. Ma prestation est mon refaire depuis 2013 ti lelo, abeti kaka na stade des martyrs, abeti Adidas Arena, abeti Genève Arena, et Sili, na 2 VIP ou 3 VIP comme 5 dates à Pamba. Fally depuis 2013 ti lelo a fait plus de. Chaque année, Fally a sa tournée africaine. Donc, ce toche, il a plus de 150 dates à Betty depuis 2013, style et l'eau, dans l'Afrique. 150. Na kati ba concert, wana fali à Betty, na ba stade à Betty dans le pays, na ba palais de sport, na ba palais de congrès. Na tenge la bino ba pays africain, fali à Betty. À Betty dans Nigeria, à Betty dans Bénin, à Betty dans Gabon, à Betty dans Mali. Abeti na Côte d'Ivoire, abeti na Cameroun, abeti na Zambie, abeti na Tanzanie, abeti na Ouganda, abeti na Burundi, aboy contraire ya Rwanda, à plus de 300 000 $. Fally a tourné, abeti na Angola, abeti na Brazzaville, na Masamba Deba, na stade, à part ba concert VIP, kutoko content, on te parle à Kenda, abeti ango, dada. Abeti na stade de martyr, ba concert kutu VIP na Congo, ouyele, abeti ba. Ba concert na ba pal, na ba ni ba ben angoni ba shark club ba ni ba ebele. Plus de 150 dates Fally a fait depuis 2013 style et l'on Afrique. Plus non bi même plus, ça peut être même 200. Plus de 150 dates. Soto na poto na 2020 Fally a bandi ko débloquer poto sans compter ba showcase, to compter ba showcase te o album toko se beti sa e. Toke ka na ba concert Bercy Paris Accor Hotel Arena en 2020. Aya beti OVO Arena, Wembley, Abeti, UNG Arena, Abeti, Paris La Défense Arena, Abeti, LDLC Arena, Abeti, Arke Arena. Donc, Fally a sillonné, à part ma concert, Abeti, la Balmane, Abeti partout. Na minute, on a tourné, on a 11 dates. Donc, côté américain, Fally a fait plus de 4 tournées à Betty ba Apollo dans les États-Unis. Donc, les États-Unis a sali plus de 40 dates ou 50 dates depuis 2013, Tilelo. Parce que chaque année, il fallait en tourner dans les États-Unis. Alors, Betty na sali wa Apollo.
Ça, c'est côté artistique. Ndenge sangwazoloba. Ce que tu compares dans nos niveaux artistiques, bah, c'est les hauts et les bas. Ils ont été assis dans Djibouti, tu compares bango. Fally a été invité dans ma camouille ouverte à francophonie dans le Congo. On avait vu ce même personne-là. Azaki na contrat la vivendité, bouena boue. Zachary Bababa, c'est mon vieux que je salue, vous a dit, et puis tu as dit, comparaison à Fally na Moutouana, Bolobara Fer et Kabasele, et Zaka Kanakati à Kinshasa. En derrière, il y a Nabibé Kinshasa, Congo Koutoute, pour attendre à Lubumbashi, on compare Fally na Ferete. Moutouana, la Bible dit, boma. Attends, na ba Congo, il n'y a pas ma province à faire, Bolobama, boma. Et ça comparaison est soukaka na kati ya Kinshasa. Comparaison na Kinshasa et soukaka na Kinshasa. O basango basalaka, o bangongolino basalaka na ba fanatique révolté ba kabaselwa. En dehors de Kinshasa, ce mec là a sala combien de pays Afrique na vinae. Na Guinée kendara, eza ba président to abeng sa et puis ba kendara engombi ba kendara ba jibe ba wera ba irité bango tout so 5 6 personnes ba ti bango bilokos faire carrière na mo ba vina mo bimba de pa banda vina ya beta Tanzanie abeta Angola abeta Congo Brazzaville abeta Côte d'Ivoire je crois to ba c'est le Cameroun depuis banda carrière na beta 5 pays en Afrique et puis ya Il y a Kokoso. Lilo, faire jamais à Roubaix Tata concert, il y a un pays qui est au Cameroun. Il y a une musique qui est là. Lilo, actuellement, de tous les jamais producteur moi au Cameroun n'a pas fait. Sauf ce que tu as dit, tu Mali, ba Burkina Faso, ba Zambie, ba Ouganda, ba Burundi, ba pays qui est ba Mali. Fallait abeta na Togo, na Bosnie, abeta na Togo, na stade. Comparaison stupide. On va vous montrer qu'il y a comparaison stupide. Comment on présente nos artistes hein? Na, je crois France 24. Bon, je la sang au bout de la vidéo. Parce qu'il y a comparaison stupide. Regardez comment on présente nos artistes. Bout de la sang au bout, il y a comment on comparaison stupide. Prenons la vidéo maintenant. Il est une superstar, chanteur, compositeur, producteur, acteur. C'est aussi un animateur de télécrochet. Vous l'avez compris, il a plusieurs cordes à son arc. Après des multiples collaborations, il revient à ses premières amours, aux sources de la rumba congolaise. 31 titres réunis sur un triple album intitulé Contrôle. Fally Ipupa, bonsoir. Bon, okay. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il est la star, la star, superstar, star, notre star, le quadra, le superstar, roi de la star. Il n'était pas revenu en Europe depuis 2011. Il est avec nous aujourd'hui. Kofi Olomide, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. On est ravis de vous accueillir. Infiniment merci. Il est une des vedettes de la musique congolaise et africaine. Son groupe Wenge Musica Maison Mère est quasiment une école de formation pour les jeunes musiciens. Après son dernier album, il prépare le Zénith de Paris. Werrason est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue dans votre... Il est une voix de la rumba congolaise. Une voix de la rumba congolaise. Ce qu'on appelle... La rumba trap, ancien de Wenge Musica, il accomplit depuis 16 ans une brillante carrière solo. Ce soir, il est notre invité. Ferregola, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Et enfin, Jibem Piana. Après 10 ans d'absence, il revient avec un nouvel opus très attendu, Balle de match, un album avec de très jolies rumbas congolaises. Dans un instant, nous serons avec le chanteur Jibem Piana. Mais d'abord, on écoute un extrait de son clip, C'est vous. Voilà! Voilà maintenant comment est-ce qu'on voit nos artistes au niveau international. Ça c'est TV5 Monde, superstar Fally Ipupa, star Kofi Olomide, vedette Werrason, une voix congolaise Ferré, et puis à la fin on a classé Jibem Piana. Pourquoi vous n'envoyez pas ces choses-là à Sango? Pourquoi faire n'a jamais été invité dans un événement moi Minene? Fallait faire l'ouverture de la Cannes. Au Cameroun, c'était pas au Congo. Là-bas, on a vu maman Denise Naliete, maman Brigitte Macron. Fallait a été invité à plusieurs reprises à Élysée chez Emmanuel Macron. Maintenant, il vient de chanter devant 54 présidents et 180 délégations de corps diplomatiques.
Pourquoi on ne prend pas vos artistes? Des débats là, on a comparé. C'est comme si vous êtes devenu cinglé, vous êtes devenu fou de prendre, de comparer les États-Unis et Malawi. Vous êtes devenu complètement cinglé, taré. Il faut devenir fou pour comparer les États-Unis et Malawi. C'est les hauts et les bas, mesdames et messieurs. C'est les hauts et les bas. Pour Nabango, Paris, France. Pour Nabango, Kinshasa, de Congo. Pour Nabango, Côte d'Ivoire, Abidjan. Il fallait abeter Nabayamosokro, na Côte d'Ivoire. Il fallait faire des concerts en province, même dans le Cameroun, abeter Nabadouala, abeter Nabagaroa. Il fallait abeter dans ma ville, dans le Cameroun, dans le Mitou, dans la ville, n'existe pas. Il fallait jouer dans des provinces, dans tous les pays en Afrique. Il fallait d'aujourd'hui, il est capable de jouer dans tous les provinces africaines. J'ai bien dit, toutes les provinces. Il fallait d'aujourd'hui, il peut remplir toutes les salles dans ma province, dans la France. Il fallait d'aujourd'hui, il peut remplir toutes les salles dans ma province, dans la Katia, Belgique. Il fallait d'aujourd'hui, il peut remplir toutes les salles dans ma province, dans l'Angleterre. Il fallait d'aujourd'hui, il peut remplir toutes les salles dans ma province, dans les États-Unis. Fallu d'aujourd'hui perdre un peu toutes les salles dans ma province dans le Canada. Aujourd'hui a fallu. Il peut tout faire. Mais pour Nabango, France, ils ont Paris. Ici, les Kawana. Pour Nabango, Belgique, ils ont Bruxelles. Pour Nabango, Côte d'Ivoire, ils ont Abidjan. Pour Nabango, Cameroun, ils ont Yaoundé. Pour Nabango, Congo, Brazzaville, ils ont Braza. Pour Nabango, Angolais à Luanda. Donc, bah, c'est limité à la capitale, là où il y a autant de Congolais. Na ba tebele, ba province ba yebite, et puis ba betate, et puis ba roubetara jamais. Parce que d'abord, on a 50 ans, 60 ans, kabao, qui na fin carrière na bango. Comme je dis, fin carrière na bango, c'est aussi avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste, monsieur Fally Poupa. Mais c'est pièce contre pièce. Voilà. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Je vous aime tellement, beaucoup partagé. Likez, abonnez-vous. Tout le monde, c'est moi. Bisous, bye.